Le Premier ministre Daniel Kablon Duncan séjourne depuis ce jeudi à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le chef du gouvernement ivoirien a annoncé la hausse de l'aide énergétique de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. C'est reparti pour le dialogue entre le Front populaire ivoirien et le gouvernement. À l'issue des échanges, le président du FPI, Pascal Affine-Guessan, a salué les progrès réalisés dans ce cadre par le gouvernement ivoirien. La première dame de Côte d'Ivoire a présidé aujourd'hui les deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheur. La rencontre a tourné autour du thème « Recherche, développement et paix ». Quelle implication de la femme chercheur ? Les 44e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se sont ouvertes aujourd'hui officiellement à Kigali. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le président rwandais Paul Kagame. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de suivre ce journal. Le Premier ministre Daniel Kablon Duncan annonce la hausse de l'aide énergétique de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Le chef du gouvernement séjourne depuis ce jeudi à Ouagadougou, où il effectue une visite d'amitié et de travail consacrée au traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Daniel Kablon Duncan a présidé avec son homologue burkinabé la cérémonie d'ouverture de la réunion préparatoire du 4e sommet sur ce traité. Léon Brou. À 2 mois du 4e sommet à Ouagadougou en juin prochain sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les experts ivoiriens et burkinabés ensemble pour l'adoption de l'avant-projet d'ordre du jour de ce Conseil des ministres conjoint. Également au programme de la présente rencontre, l'établissement des projets d'accord et l'évaluation des décisions du 3e sommet tenu en juin dernier à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. À la tête des deux délégations pour procéder à l'ouverture des travaux, les premiers ministres ivoiriens et burkinabé, Daniel Kablon Duncan et Adolphe Thiaw, réaffirment l'engagement de leurs deux pays à poursuivre leur coopération, encouragée par les acquis du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Augmentation du volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, croissance économique et grands travaux pour le bonheur des peuples ivoiriens et burkinabés, par exemple. Vous avez décidé de porter votre aide énergétique qui passera de 70 MW à 80 MW pour le Burkina Faso. Nous avons beaucoup souffert, Excellence, ces dernières semaines avec des délestages dus effectivement à une pointe très élevée de la consommation énergétique. Et ce que vous venez d'annoncer montre à quel point vous êtes solidaire du Burkina Faso. Soyez-en remerciés. Pour la coopération en matière d'énergie électrique, nous devrons faire en sorte que les fournitures d'électricité augmentent. C'est une première annonce qui a été faite. Si on peut aller plus loin, pourquoi pas, on va en discuter. Et puis, si c'est nécessaire, monter davantage. C'est aux environs de 8 heures ce jeudi que le Premier ministre Daniel Kablon Duncan est arrivé à Ouagadougou. Accompagné de 6 membres de son gouvernement, il va, en marge de cette réunion préparatoire, échanger avec les autorités burkinabées au plus haut sommet. Aussi prévu à son agenda, des visites et inaugurations d'infrastructures. Avant son départ pour Ouagadougou, le Premier ministre Daniel Kablon Duncan a eu l'occasion de prendre connaissance du projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody. Le maître d'œuvre de ce projet est une structure marocaine qui a mobilisé une commission d'experts sur instruction de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Hugues Hervé-Blé. Ces images encore virtuelles de la baie de Cocody valorisée et sauvegardée pourraient bien devenir réalité dans l'avenir. Elles sont l'œuvre de l'Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchica. Sur recommandation de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, la structure marocaine a mobilisé une commission d'experts qui, de mars à avril 2014, a procédé à des examens sur la lagune Ébriée en général et sur la baie de Cocody en particulier. Résultat de ces différentes études, le projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody et les orientations pour sa mise en œuvre présentée mercredi au Premier ministre Daniel Kablon Duncan. Vous avez une baie qui est la baie de Cocody qui est magnifique. Et notre vision aujourd'hui, c'est de la rendre encore plus magnifique et de créer une zone d'animation et un centre d'animation pour Abidjan.
Pour le Premier ministre, la suite ne pourra qu'être heureuse parce que s'inscrivant dans l'engagement du président de la République à redonner à Abidjan, voire à toute la Côte d'Ivoire, son rayonnement d'antan. Nous sommes heureux donc que nos amis marocains, suite à la décision donc de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, soient venus pour travailler sur ce dossier donc important. Donc c'est une excellente chose. Je crois qu'on va mettre en place une équipe de manière à ce que nous puissions avancer rapidement sur la proposition que nous fera donc le président directeur général de cette société marocaine. La baie de Cocody sauvegardée et valorisée, c'est possible. Le gouvernement entend s'y employer afin que cela devienne réalité. Revenons sur les assemblées annuelles de la BAD qui se tiennent depuis le 19 mai à Kigali, au Rwanda. Le thème choisi pour la rencontre est « Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons ». Près de 3500 participants réfléchissent sur les priorités du continent en matière de développement. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à la cérémonie solennelle d'ouverture de ces assises en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le président rwandais Paul Kagame. Serge Collier. Après trois jours d'échanges, de conférences et de rencontres de haut niveau, les quelques 3500 participants aux assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, à Kigali au Rwanda, se sont retrouvés pour la séance d'ouverture officielle. On prit part à cette cérémonie solennelle les présidents Ali Bongo du Gabon, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, ainsi que Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Le président du groupe de la BAD, Donald Kaberuka, note la solidité et l'importance de la BAD. Elle reste aujourd'hui cet instrument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pour les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons, a-t-il dit, est celle du pouvoir économique et de la croissance. Pour relever le défi des infrastructures, la BAD a mis en place le Fonds Afrique 50, désormais opérationnel. Avec un capital initial de 3 milliards de dollars, ce fonds, pour les 10 années à venir, doit pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars de l'épargne africaine pour financer les méga-projets d'infrastructures, notamment les routes, l'énergie et la connectivité. Donald Kaberuka a annoncé sa prise de fonction effective à Abidjan, le siège de la BAD, pour début juillet 2014. Ce retour de la BAD à la maison marque le cinquantenaire de l'institution financière. En 50 ans d'existence, la BAD, la Banque africaine de développement, a approuvé au titre des prêts et dons aux pays africains un montant global d'environ 104 milliards de dollars. Le nouveau cadre d'exécution des finances publiques dans l'espace UEMOA a été expliqué aujourd'hui au cours d'un conclave à Yamoussoukro. C'est une initiative de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. La rencontre fait suite au Conseil des ministres de l'UEMOA. Eugène Atoubé. Trésoriers généraux, payeurs des districts, inspecteurs, vérificateurs principaux et comptables généraux du Trésor, tous en leur qualité de gestionnaire des finances de l'État, planche depuis ce matin sur le nouveau cadre harmonisé des dépenses publiques, une disposition de l'UEMOA qui fait obligation aux États membres d'appliquer de nouvelles règles dans l'élaboration, le suivi et l'exécution de leur budget national. Une rencontre d'intérêt animée par la Direction générale du budget et qui va permettre aux agents d'exécution des dépenses de l'État d'avoir une haute idée de leur rôle. On essaie toujours d'améliorer, de créer des systèmes, de mettre en place des réformes, des mécanismes pour que les bénéficiaires sentent l'effort que l'État consent pour eux. En tant qu'administrateur de crédit, cette nouvelle approche budgétaire-là doit leur permettre de préparer leur budget selon les dispositions prévues par les dispositifs de l'UEMOA. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a exhorté ses collaborateurs à tirer le meilleur profit de cette rencontre. Adam Kone les engage aussi à œuvrer pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. À l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances a rappelé les attentes du gouvernement. Désormais, le budget doit mettre en avant non seulement les moyens liés à l'activité des pouvoirs publics, mais également justifier la répartition des allocations par rapport à la réalisation d'objectifs définis par chaque dépense budgétaire. Et doit donc amener toutes les administrations publiques
à réformer la performance de leurs organisations et leur mode de fonctionnement. C'est en 2009 que le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté les directives relatives au code de transparence dans la gestion des dépenses publiques et aux lois de finances publiques. La Côte d'Ivoire, pour sa part, aura attendu 5 ans pour introduire ces dispositions dans sa législation. Le dialogue politique entre le Front populaire ivoirien et le gouvernement est relancé. Après 3 heures d'échange, le président du FPI, Pascal Affingesson, a noté des avancées de la part du gouvernement, chose qui favorise la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et parmi ces progrès, on note la libération de 150 prisonniers de la crise post-électorale dans les jours à venir et le dégel des comptes de certains proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Awa Cissé, Alexis Ouedraogo. Une reprise du dialogue politique FPI-gouvernement dans une ambiance bon enfant ce jeudi. 3 heures d'échange pour aplanir les différends et décrisper le climat politique. Kouadio Janoa Oussou a exhorté à briser les murs de méfiance pour aller à l'essentiel. Plusieurs questions ont été présentées portant sur la situation administrative des cadres du FPI, le dégel de leurs comptes bancaires et la situation de leurs maisons disent-ils occupées. Le gouvernement nous a apporté des informations, des précisions sur l'état d'avancement de ces différents dossiers. Toutes les autres questions sont en traitement. On a parlé de libération de 150 personnes détenues. Le FPI nous a remis une liste de 719 personnes. Nous avons traité la liste. On s'est rendu compte qu'il y a 228 personnes qui ne sont pas dans les fichiers de la justice ivoirienne. Et après discussion, analyse par le procureur, par la justice ivoirienne, il s'est avéré que 150 personnes pouvaient être mises en liberté provisoire. Pascal Affingesson a indiqué que le gouvernement Alassane Ouattara a clairement marqué sa volonté à aller de l'avant en travaillant avec le FPI et l'ensemble de l'opposition. Sur le point toutefois de la levée du mot d'ordre de boycott du recensement général des populations, le FPI a indiqué vouloir s'en référer au comité central du parti qui décidera. Rappelons que le FPI s'était retiré de la table des négociations après le lancement de l'opération de recensement général le 17 mars dernier et la remise de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Le MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, poursuit sa campagne. Il a procédé à l'investiture de la présidente de l'organisation féminine de soutien au district d'Abidjan. Ensemble, ces deux associations vont œuvrer pour la réélection du chef de l'État Alassane Ouattara en 2015. Abou Sanogo. L'investiture de Loumat en qualité de présidente du district d'Abidjan de l'Organisation féminine de soutien au président de la République, la chaîne des Colombes, a été l'occasion pour cette structure de sceller l'union avec le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP, le MONASCO RHDP. Les deux structures ont décidé de travailler désormais ensemble pour atteindre leur objectif. La réélection au premier tour du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Pour Assoua Honorine, présidente nationale de la chaîne des Colombes, sa structure adhère à la vision du MONASCO RHDP, à savoir la paix, la cohésion entre les Ivoiriens et le développement. Selon Pascal Kwaku Abina, vice-président du MONASCO RHDP, parrain de la cérémonie, plus rien ne peut freiner l'idée de la candidature unique véhiculée par son mouvement. Le député de Marcory, Traoré Drissa, représentait le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, parrain de la cérémonie. Le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Issa Koulibaly et le président du conseil régional du Folon, porte-parole du MONASCO RHDP, Cissé Sindou, ont apporté leur soutien au parrain de la cérémonie. La chaîne de Colombes a été créée en 2003 pour véhiculer les messages du candidat Alassane Ouattara. Ouverture aujourd'hui des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheur de Côte d'Ivoire. La cérémonie a été présidée par la première dame Dominique Ouattara. La rencontre est placée sous le thème « Recherche, développement et paix ». Quelle implication de la femme chercheur? Le compte-rendu de Jérôme Kofi à Boulin. La première dame de Côte d'Ivoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en fin de matinée ce jeudi 22 mai 2014. Dominique Ouattara, accueilli par des acclamations des étudiants ainsi que leurs maîtres, réunis à l'amphithéâtre A dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheur de Côte d'Ivoire. L'implication de la femme chercheur dans la recherche, le développement et la paix, c'est le thème choisi pour ces journées.
Il s'agit en fait pour les femmes chercheurs de Côte d'Ivoire de faire pendant ces 3 jours de travaux le bilan de leurs activités. La présence de la première dame étant un soutien sans faille à leur cause, ces femmes chercheurs, à travers leurs représentantes, soutenues pour la circonstance par des membres du gouvernement, n'ont pas manqué de saluer cette présence de Dominique Ouattara, dont la sollicitude, selon leurs propos, n'a jamais fait défaut. En sa qualité de marraine de cette deuxième journée scientifique de la femme chercheur de Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a défini la recherche en invitant les femmes chercheurs à jouer pleinement leur partition. Faire de la recherche, c'est se mettre au service de la communauté en repoussant les frontières de l'ignorance. Pour notre pays, qui aspire au développement, la recherche et la technologie doivent être conçues davantage comme des éléments stratégiques de la compétition économique nationale et internationale. Celle-ci va mobiliser non seulement l'effort d'innovation des entreprises, mais aussi les politiques publiques de soutien à la recherche. Femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, vous avez votre partition à jouer. Partout dans nos sociétés, les femmes jouent un rôle communautaire indéniable. De ce fait, elles sont à même de mieux appréhender les difficultés de nos populations. Faire la promotion de la femme chercheur, c'est conduire la recherche scientifique au port de nos sociétés et donc rendre la science accessible à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, tout en se félicitant de la tenue de ces journées, a encouragé les femmes à conduire les travaux dans une approche du genre et dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Avant de prendre congé, Dominique Ouattara a visité les stands exposant les inventions des femmes chercheurs. Le Conseil de l'Entente souffle ses 55 bougies. C'était l'occasion pour le secrétaire exécutif de faire le bilan des actions menées par l'institution en présence de représentants d'institutions diplomatiques, de chefs d'entreprise et de journalistes. C'était au cours des grands rendez-vous de Fraternité Matin. Gabriel Zani. Que devient le Conseil de l'Entente 55 ans après sa création? Quel bilan, quelles perspectives? Ce sont autant de questions débattues ce jeudi au grand rendez-vous de Fraternité Matin, tribune consacrée à l'institution à la faveur des 55 années d'existence célébrées le 28 mai prochain. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente s'est prononcé sur les axes définis par les chefs d'État des pays membres, axes qui permettront d'avoir une place aux côtés des organisations sous-régionales et panafricaines plus grandes et dotées d'une puissance financière. L'organisation est consciente qu'il faut éviter le doublon avec la CEDEAO et l'UEMOA. Aujourd'hui, elle veut intervenir dans la prévention des conflits, le dialogue politique. Coopération politique et sécuritaire en vue de la paix et la sécurité comme préalable au développement. Et puis le deuxième domaine, c'est le développement lui-même pour améliorer les conditions de vie des populations. L'organisation compte marquer son retour sur la scène en s'impliquant davantage dans la réalisation des grands projets d'intérêt commun aux populations des pays membres, tels que la construction du chemin de fer Cotonou-Niamey. Un tronçon qui relie Cotonou-Niamey, Ouaga, Abidjan, Lomé, les 5 capitales des pays membres. Avec 2 millions de kilomètres carrés de superficie et 71 millions d'habitants, le Conseil de l'Entente couvre une zone riche, jouissant d'une stabilité monétaire en forte croissance. 258 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux de réhabilitation et de bitumage des routes que veut entreprendre le FER, le Fonds d'entretien routier. Déjà, 154 milliards de francs CFA ont été mobilisés. L'information a été donnée par le directeur général du FER au cours d'une conférence de presse, Francis Boifou. L'état de nos routes était dans une situation de dégradation avancée et accentuée, au point de ne pas être en mesure d'entretenir 25% du réseau routier. Nous étions dans une proportion d'investissement à l'entretien de moins de 0,5% par rapport au PIB, là où nous devrons trouver le moyen de consacrer 1,5%. C'était il y a 10 ans. Au lendemain de la crise post-électorale, le président Alassane Ouattara et son gouvernement engagent des moyens conséquents pour la rénovation du réseau routier ivoirien à travers le FER, le Fonds d'entretien routier. Indépendamment du Fonds d'entretien routier, nous avons eu droit à des investissements d'autres partenaires, la Banque mondiale, à travers un programme appelé PUR. Il y a le programme présidentiel d'urgence qui a consacré aussi d'énormes moyens.
pour la réhabilitation des voiries. Aujourd'hui, nous avons mobilisé un peu plus de 300 milliards. 2014, un budget de 258 milliards avec une levée de fonds de 154 milliards. Le directeur général du FEI indique que d'importants investissements sont prévus cette année dans le cadre du programme national de développement du secteur routier. Et 50 km à développer à l'est, qui va tourner autour de 100 milliards, et 200 milliards au centre du pays, c'est-à-dire Yamoussoukro-Bouaké. Donc c'est un peu plus de 300 milliards de projets auxquels nous allons assister. Objectif, rattraper 70% du réseau routier, soit 49 000 km d'ici à 2024. L'année scolaire 2013-2014 tire à sa fin et c'est donc l'heure des évaluations. La direction des examens et concours de la formation professionnelle a publié aujourd'hui les dates des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien, du brevet professionnel et du certificat de qualification professionnelle. Les épreuves auront lieu du mardi 3 au mardi 8 juillet 2014. Déborah Olapadé, Christelle Menon. C'est officiel, les dates des examens scolaires de la formation professionnelle session 2014 sont connues. C'est au cours d'une cérémonie de lancement solennel, ce jeudi 22 mai 2014, que le directeur des examens et concours de la formation professionnelle a communiqué le calendrier des épreuves. Le chronogramme des examens session 2014 s'établit comme suit. Du mardi 3 au vendredi 6 juin 2014, c'est tenance des rapports de stage. Du lundi 9 au vendredi 13 juin 2014, épreuve orale et pratique. Du mardi 17 au vendredi 20 juin 2014, épreuve écrite. Il faut rappeler que l'épreuve DPS a déjà eu lieu et s'est déroulée du lundi 7 au vendredi 11 avril 2014 sur toute l'étendue du territoire. Ce sont au total 12 785 candidats qui seront présentés aux différents examens. 5 au total, ce sont le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT, le brevet professionnel BP et le certificat de qualification professionnelle CQP pour l'année 2014. On note 64% d'admis pour la formation professionnelle en 2013. Recensement général de la population et de l'habitat. Un comité de veille a été mis sur pied pour assurer le bon déroulement de l'opération. Après 3 jours d'activité, ce comité a restitué les conclusions de ses travaux. Grâce Kondo. Le comité de veille et de mobilisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat a mené une mission sur le terrain du 14 au 16 mai 2014 dans le district d'Abidjan. Après 3 jours d'activité, ce comité a procédé à la restitution des conclusions de ses travaux. L'initiative est du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Pour Abidjan, le taux d'exécution du dénombrement était assez mitigé. Suite aux décisions que le ministre d'État a prises, le taux d'Abidjan a été relevé et je voudrais indiquer qu'au niveau d'Abidjan, toutes les faiblesses sont en train d'être corrigées. Nous sommes certains que nous pourrons boucler l'opération sur Abidjan avec beaucoup plus de satisfaction. Ce comité avait pour mission notamment de développer un climat favorable au recensement et assurer le suivi et l'évaluation des différentes phases du recensement. Nous avons fait des recommandations et je crois qu'ils ont tenu compte de toutes ces recommandations et ils nous ont rassurés que tout va rentrer dans l'ordre. Et je crois que le dernier pourcentage qui nous a été donné aujourd'hui nous rassure et nous sommes même prêts à faire une deuxième mission. Le plateau est à 82%, à Diamé à 40%, à Tekoubé était à 30%. Le jour où on quittait sur le terrain, mais on nous dit aujourd'hui qu'à Abidjan, il y a 54%. Donc, ce qui veut dire que l'opération avance. Toujours selon le comité de veille et de mobilisation, quelques difficultés méritent tout de même d'être réglées si l'on veut atteindre les résultats escomptés. C'était la fête à Bouko, dans la sous-préfecture de Bouna. Ce village a été connecté au réseau national d'électricité. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge de l'économie et des finances, Thérèse Tapeyoboué. Bouko est un village situé à 30 km au nord de Bouna. Ce village est désormais électrifié. La cérémonie de la mise sous tension s'est déroulée en présence de nombreux cadres de la région, dont Kabaniale, ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances. Aujourd'hui est pour moi un jour de grande émotion. En effet,
il y a quelques années, alors que nous étions en campagne pour les présidentielles, le président de la République s'est arrêté à Boko. Les populations ont passé un message essentiel. À faire en sorte que tout cet appareillage qui nous fait rêver à l'électricité depuis des années devienne réalité. Voilà que moins de 3 ans après son arrivée au pouvoir, Boko est électrifié. Le porte-parole de la population ainsi que le président du conseil régional ont affirmé que l'électrification de Boko est un signe de son développement. Quant au directeur général de l'énergie, il a invité les populations à s'abonner en grand nombre pour permettre à la compagnie d'électricité d'entretenir les installations à travers le paiement des factures. La réalisation de ce projet a coûté 60 millions de francs. Auparavant, les cadres et les imams du Zanzan, dirigés par El-Hadj Timité Kalonga, ont initié une cérémonie de lecture intégrale du Saint-Coran pour le chef de l'État en guise de reconnaissance pour avoir apporté son soutien au grand imam de Bondoukou. Plus de 150 imams ont pris part à cette cérémonie de prière, occasion choisie par Kabanialé pour inviter les uns et les autres au renforcement des liens de fraternité et de cohésion. Elle a en outre appelé ses parents à participer massivement à l'opération de recensement général qui connaît un faible taux dans le Zanzan. En bref et en images, le gouvernement malien a décrété 3 jours de deuil national à compter de vendredi en hommage aux victimes des combats de Kidal dans le nord-est du Mali. Les affrontements ont fait 36 morts, dont 8 militaires et plusieurs dizaines de blessés. Et cela fait la deuxième fois en une semaine que le Mali est secoué par des combats entre armées et groupes rebelles. L'actualité en bref dans le monde avec tout d'abord la Thaïlande, où 2 jours après avoir instauré la loi martiale, l'armée a pris le pouvoir. En Thaïlande, après 7 mois de crise politique et 3 jours de loi martiale, l'armée annonce un coup d'État. Pour que le pays revienne à la normale, affirme le chef de l'armée de terre, les forces armées doivent prendre le pouvoir. L'annonce jeudi du coup d'État est survenue peu après la reprise des négociations réunissant les partis politiques ennemis et les meneurs des manifestants pro- et anti-gouvernementaux. La situation m'inquiète et je ne peux pas laisser les choses continuer ainsi, avait déclaré à l'ouverture de la séance le puissant général Prayut. C'est le bilan le plus lourd pour l'armée ukrainienne depuis le 13 avril, date du début des opérations visant à reprendre le contrôle de l'est du pays. Au moins 14 soldats ont été tués jeudi et une vingtaine d'autres blessés dans des attaques menées par des séparatistes pro-russes dans les régions de Lugansk et de Donetsk qui ont proclamé leur souveraineté. Les séparatistes ont promis d'empêcher le déroulement de l'élection présidentielle dans l'Est, où près de 2 millions d'électeurs pourraient avoir des difficultés à voter dimanche. Un nouvel attentat a ensanglanté jeudi Urumqi, la capitale du Xinjiang. On compte 31 morts et une centaine de blessés. Selon les médias officiels chinois, 2 véhicules tout-terrain ont foncé sur un marché en plein air, leur occupant lançant des explosifs sur la foule. Cet attentat intervient alors que 39 personnes ont été condamnées à Urumqi cette semaine à de lourdes peines de prison pour avoir diffusé des vidéos terroristes. Le Xinjiang est le théâtre de violences attribuées par Pékin aux Ouïghours, des musulmans turcophones qui constituent la principale ethnie de cette province, située aux confins de l'Asie centrale. À 3 semaines du mondial, la ville la plus peuplée du Brésil en proie à une gigantesque pagaille. À Sao Paulo, la grève des chauffeurs de bus pour obtenir de meilleurs salaires a touché plus de 2,5 millions de personnes. Dans plusieurs États fédéraux, les policiers civils qui s'occupent des enquêtes criminelles ont eux aussi démarré une grève de 24 heures, un mouvement largement soutenu à travers tout le pays, même si la grève n'est pas toujours le mode d'action choisi. Les policiers civils exigent une augmentation des salaires et une réforme de la politique de sécurité. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente suite de programmes sur RTE.